reconnaître l'excellence, la qualité supérieure de la démarche artistique. Reconnaître l'implication exemplaire à l'enseignement, la diffusion et la promotion des arts et de la culture. Voilà pourquoi Jeremy Giles a fondé la Société de l'Ordre du Bleuet. Toute son existence, cet homme a été un bâtisseur, laissant des traces tangibles de son passage du nord au sud du Québec, de l'est en l'ouest jusqu'en Ontario. Mais c'est l'exceptionnel dynamisme culturel de sa région d'adoption qui a convaincu ce grand défenseur des arts et du patrimoine qu'il était temps de créer un ordre de prestige dédié exclusivement à rendre hommage aux personnes ayant contribué de manière exemplaire à la richesse culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien avant de devenir citoyen du Saguenay, Jeremy Giles y avait plusieurs fois jeté l'ancre, non seulement en y exposant ses créations, mais en créant des liens étroits avec les artistes dont il a diffusé les œuvres dans ses galeries et centres d'art, comme Jean-Guy Barbeau, Hélène Beck, René Gagnon, Jean Laforge et Léopold Tremblay. À peine installé dans son atelier de Jonquière, il a contribué à la vie culturelle du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, sculptant les bustes de plusieurs personnalités, agissant comme commissaire à des rétrospectives et contribuant à des réalisations commémoratives. M. Giles incarne le dynamisme de cette région et cette implication exemplaire si chère à l'ordre qu'il a fondé. Né à Cambridge, Massachusetts, le 13 février 1927, Jeremy Giles a manifesté très tôt un intérêt soutenu pour les arts visuels, la musique, les sciences de la terre, l'histoire, les relations ouvrières, le droit et la politique. Nommé à des postes de direction dans des entreprises et services de santé, retraité de la fonction publique où il occupait la fonction de commissaire à la Commission municipale du Québec, Jeremy est surtout connu comme animateur culturel et scientifique. Il a construit, dirigé et animé le réputé centre d'art Manicouagan à Haute-Rive de 1958 à 1971. De nombreux artistes y ont exposé, tandis que poètes et musiciens y donnaient des spectacles. Passionné d'histoire et de sciences naturelles, il a réalisé deux importants centres d'interprétation des sciences de la Terre, dont l'Économusée de Hall, inauguré en 1997. La ville reconnaissante a d'ailleurs fixé une plaque en hommage à M. Giles au mur extérieur de l'ancien château d'eau de Gatineau. Créateur de plusieurs dessins armoriaux et de monuments publics pour des villes québécoises, notre région a hérité de plusieurs de ses sculptures, comme les bustes de Pierrette Gaudreau à Jonquière, de Jean-Paul Lapointe à Chicoutimi, de Jean Laforge à Sainte-Rose-du-Nord, ainsi que de la sculpture plein-pied du hockeyeur Pierre Pilote de Kénogami. Successeur attitré de l'initiateur du circuit des bronzes en hommage au bâtisseur de Roberval, le regretté Léonard Simard, il a exécuté les bustes de l'abbé Joseph-Ernest Lisotte, de Jacques Amiotte et de Benjamin Alexander Scott. Lors du symposium « Les monstres marins à l'honneur » en 2010 à la baie, il a sculpté une sirène aux abords du musée du Fjord. Peintre prolifique de plus de 5000 toiles, il a réalisé la magistrale collection « L'art est un miroir », présenté à Chicoutimi dans le cadre des activités de Saguenay, capitale culturelle du Canada 2010. Chaque tableau met en scène un peintre canadien décédé brossant sa toile. Jeremy réussissant l'exploit de recréer une œuvre dans le style propre aux peintres représentés, du Ayotte, du Bordua, du Cosgrove, du Fortin, du Jackson, du Krieghoff, du Pellan ainsi que du Villeneuve et du Barbeau. Partout où il a vécu, Jeremy Giles a laissé sa trace comme concepteur et responsable de plusieurs projets, incluant la sauvegarde du patrimoine bâti. Sa force réside dans un caractère fonceur autant que frondeur, indépendant jusqu'à l'absolu, qui n'a jamais retenu le sens du mot impossible. Qu'une idée traîne dans les parages, Jeremy l'accueille comme d'autres ramassent les coquillages. Mais
Il ne se contente pas d'écouter le chant de l'océan d'une coquille vide collée à son oreille. Il n'aura de cesse que s'il parvient à faire entendre ce chant à tous les autres. Le fondateur de l'ordre du Bleuet a écrit « La grandeur d'une société se mesure par la diversité et la qualité de ses institutions culturelles. Mais, et surtout par sa volonté à reconnaître l'excellence du parcours de ceux et celles qui en sont issus. Alors, il est vrai de dire à son sujet « La grandeur d'un homme se mesure par la diversité et la qualité de ses actes. Mais surtout par sa volonté à reconnaître l'excellence de ceux et celles qui, comme lui, contribuent à notre richesse culturelle et artistique. Incontestablement, il transcende l'esprit même de l'ordre qu'il a créé. » Mesdames et messieurs, en ce 15 juin 2013, la Société de l'ordre du Bleuet rend hommage à son fondateur, Jeremy Giles, et le reçoit membre de l'ordre du Bleuet à titre de fondateur, ainsi que pour l'excellence de son parcours et sa contribution unique à la vie culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors que nous écouterons nos musiciens interpréter l'Ode au pays des Bleuets, une composition de Jeremy Giles, j'invite Mme Christiane Laforge, premier membre reçu de l'Ordre et présidente du comité des candidatures, à venir lui remettre son certificat d'honneur. Jeremy Giles, vous êtes désormais officiellement membre de l'Ordre du Bleuet.